Mesdames et messieurs, bienvenue à Québec en motoneige. Cette semaine, nous partons à la découverte du sentier du Grand Portage. Mais auparavant, écoutons un propos de la FCMQ. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des officiers de sécurité. Notre réseau d'officiers de sécurité compte 3500 officiers de sécurité et ces gens sont des bénévoles qui voient à la sécurité du sport de la motoneige. Cette année, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec est allée en consultation lors de la formation des nouveaux officiers de sécurité et des officiers de sécurité déjà existants. Cette consultation permet pour cette année de changer le rôle d'officier en directeur de sécurité et de pouvoir permettre à l'officier de sécurité de promouvoir l'éducation du sport de la motoneige. On sait depuis l'an dernier un accroissement de 20 % de notre sport a apporté de nouveaux adeptes à faire pratiquer le sport de la motoneige et nous savons très bien qu'il faut arriver avec des règlements et ces règlements-là les faire respecter par les nouveaux adeptes. Probablement des écoles de formation viendront et suivront dans le rôle des officiers de sécurité. Toutefois, vous devez surveiller les conseils de vos officiers de sécurité et les respecter. C'est des bénévoles qui travaillent à promouvoir le sport de la motoneige dans votre région. Soyez prudents et bonne randonnée. Robert Thibault est maintenant en compagnie de Mario Garraud du Challenge Canada. Vous le reconnaissez, c'est celui qui a un grand rêve qui va le réaliser cette année. Challenge Canada, Mario, c'est quoi? Bien, cette année, c'est encore une course de 2300 km à travers la province de Québec. Je pense que quand on dit grand rêve à faire, bon, bien, l'année passée, on avait voulu faire l'événement, faute d'équipe, on avait dit on reporte. Bien, si on regarde, mission accomplie, déjà 8 équipes inscrites début octobre. On s'attend déjà à 20-25 équipes, on part pour l'Europe, faire les tournées, les États-Unis. Mais 8 déjà fermes, payées, inscrits à l'heure je vous parle. C'est, je pense, la mission que je m'avais donnée au courant d'été de partir très agressif la saison 95-96. Maintenant, vous avez organisé quelque chose aussi pour le public. Et ça, c'est drôlement important là, pour les gens qui veulent suivre. Oui, c'est que l'année passée, on avait fait un forfait. Le forfait, les gens le trouvaient dispendieux, ces choses-là. Cette année, on est revenu, on va revenir avec une formule, un peu comme les groupes de vélo ont fait cet été. Un format de base auquel on réserve strictement l'hôtel, petit déjeuner, et le participant pourra décider des autres services qu'il voudra avoir quotidiennement, tout dépendant s'il les veut ou pas. Et ça, ça va être un forfait vraiment économique qui va être présenté d'ici à peu près au plus tard début novembre, mais à un prix très, très, très raisonnable. Vous nous rappelez les dates et le numéro de téléphone où on peut vous rejoindre? Oui, du 25 février au 6 mars, et puis nous rejoindre au 514-835-3474. Merci beaucoup. Mario Garraud. Restez avec nous. On part en randonnée après la pause. F. Constantino et fils à Mont-Laurier et Équipement Lemire présentent les nouveaux surfaceurs Massey Ferguson. Traction optimale grâce à un système efficace. Économie et confort, voilà le gage d'une rentabilité hors pair. Une transmission multi-power pour maximiser la performance ainsi qu'une cabine ultra-moderne. Efficacité, rapidité et prix exceptionnel. Voilà les qualités du surfaceur Lemire. Voyez sans tarder la gamme complète de surfaceurs Massey Ferguson. Informez-vous au 819-623-1724. JB Scott et fils est l'une des nombreuses pourvoiries qui ont décidé de continuer d'offrir leurs services l'hiver pour accommoder les motoneigistes. Écoutons Mario Charbonneau, responsable des activités hivernales. Alors, la pourvoirie JB Scott est située à 52 km au nord de Mont-Saint-Michel. C'est une pourvoirie de chasse et pêche durant les saisons l'été et l'automne, et l'hiver avec la motoneige. Vous vous retrouvez ici, sur le site de la pourvoirie, 7 chalets entièrement équipés, hivernisés, avec tous les services. Et cette année, la pourvoirie JB Scott est heureuse de vous présenter un tout nouveau sentier de motoneige. Il s'agit du sentier du Grand Portage, on le voit ici sur la carte. Alors, pour vous expliquer un peu en quoi ça consiste, vous avez la Trans-Québec 3 qui part de Mont-Laurier, qui passe à Sainte-Anne-du-Lac, qui monte jusqu'à Parent. Et vous avez de l'autre côté, plus à l'est, la piste qui part de Saint-Michel-des-Saints, qui passe à la réserve Manouane, qui va en direction de Robertval. Alors, l'idée était de faire un accès direct Saint-Michel-des-Saints par an, en passant par la pourvoirie JB Scott. Alors, ce qu'il fallait faire, c'était de tracer une piste entre la réserve de Manouane et JB Scott, qui donne 80 km.
Alors, la jonction se fait entre la réserve de Manouane. Ça passe au restaurant L'Unique, à mi-chemin. C'est un relais avec le service de gaz, service de restaurant. Et du restaurant L'Unique, vous arrivez à J.B. Scott, 38 km plus loin. À J.B. Scott, évidemment, on peut vous héberger, vous nourrir. On a de la gasoline, on a tout ce qu'il faut pour les motoneigistes. Les chalets sont entièrement hivernisés. Puis je souhaite la bienvenue à tout le monde. La chronique Arctic 4, en compagnie de Luc Vincent et son invité. Nous savons que tous les grands fabricants de motoneige ont leur ligne de vêtements et naturellement, Arctic 4 font partie de ceux-ci. Danny, tu vas me parler de vêtements Arctic 4. Oui. Quels sont les vêtements? Les vêtements Arctic 4, c'est des vêtements Arctic Wear, le nom que porté par les vêtements. C'est des vêtements qui sont faits en tinselate et en toile de parachute, ainsi que des bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité la nuit, avec un manteau intérieur comme tu portes présentement, mm-hmm. qui sert de manteau de soirée. D'après motoneige. D'après motoneige. Ainsi que nous avons des vêtements disponibles pour tous les modèles de motoneige, soit un Cheetah ou un Bearcat, on a l'ensemble Bearcat. Donc le vêtement pour s'identifier à notre motoneige. À notre motoneige, tel que les ensembles adhèrent aussi et tout. Et vous avez aussi, je crois, des masques. OK, il y a la protection faciale aussi mm-hmm. en motoneige, il ne faut pas oublier, parce que ça contribue beaucoup à notre visibilité à l'intérieur des casques et tout. Il y a des masques qui empêchent la buée pour les lunettes et tout ça, fait que c'est très important d'avoir ça, ainsi que les visières électriques. Qui donne une bonne visibilité aux motoneigistes. Et naturellement, tous ces vêtements et ces accessoires, on retrouve ça chez Boulet Motorsport. Oui. Vous êtes à Sainte-Thérèse et à Terrebonne. Oui. Je te remercie beaucoup, Danny. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Sur le parcours du sentier du Grand Portage, des paysages magnifiques s'offriront à vous, comme ce cours d'eau, par exemple. Alors, on voit la rivière Mutinamikus. On est à l'extrême, à la limite nord de la pourvoirie J.B. Scott. La rivière Mutinamikus, c'est la sortie d'eau du réservoir Mutinamikus, qui est juste ici en haut, à peu près à 1 km. À Doré et à Truite, qui traverse du nord au sud toute la pourvoirie. Chronique Bombardier avec Luc et son invité. Je suis en compagnie de Yves Constantino de Constantino et Fils à Mont-Laurier. Yves, tu nous parles de quoi cette semaine, de quelle machine? Cette semaine, on va aller dans les véhicules de cross-country, la MXZ. Yves, c'est un véhicule de compétition. C'est un véhicule qui est préparé pour les compétitions de cross-country, mais ça peut faire un excellent véhicule de sentier. On a vendu plusieurs. Ça fait un véhicule là, qui a vraiment une performance supérieure. Est bien plus puissante de sa catégorie. On a le nouveau moteur 454. C'est un 440cc à échappement à rave, toujours avec une valve rotative. Le centre de gravité du moteur est surbaissé pour avoir une bien meilleure manœuvrabilité. Puis en plus de ça, tu as la suspension de type course. Yves, c'est quoi une suspension de type course? Suspension de type course, c'est la suspension qu'on retrouve sur la MXZ avec toutes des chocs HPG, autant à l'avant, à l'arrière, avec une barre stabilisatrice, pour pouvoir ajuster là, vraiment selon les conditions de sentier puis les préférences du conducteur. Le centre de gravité est surbaissé, le guidon est surbaissé pour avoir une meilleure manœuvrabilité. Il ne faut pas se le cacher, il n'y a pas un véhicule qui peut aller chercher un MXZ dans le sentier, surtout pas à Mont-Laurier, les sentiers sont tellement beaux. Mais c'est vraiment un véhicule là, qui est complet pour faire du cross-country puis qui va être vraiment bien agréable dans le sentier. Merci beaucoup, Yves. Merci, Luc. Restez des nôtres.
on a encore du kilométrage à parcourir après cette courte pause. Choco, une entreprise bien de chez nous qui fabrique des vêtements qui vous garderont au chaud. Que vous optiez pour le Choco Light, le Choco Bear, le Pro Racing, le Sport 3, le Combo, le CDI, l'Ultra Select, le Cordura, le Fashion ou le STS 4 dans 1, Choco garde tous les pros bien au chaud. Choco, là, ça c'est chaud. Monsieur Ernest Ottawa explique les services qu'il peut offrir aux motoneigistes de passage à Manoine. Des motoneigistes, les sentiers de motoneige, c'est énormément d'activités, énormément de monde qui traverse en fait le village de Manoine. Puis il faut offrir des services d'hébergement, de restauration, puis occasionnellement de dépannage. S'il y a des fois des gens qui sont mal pris ici en route, on peut les dépanner en leur loin des motoneiges. Voici maintenant Jean-Marc Dubé du club de motoneige Manoine. On souhaite les bienvenus à tous les motoneigistes de la province et hors province. Ben Jean-Marc, on te remercie beaucoup et okay. On vous félicite pour tout le travail que vous avez fait. Salut bien. La chronique Choco avec Luc et son invité. Naturellement, quand je me trouve avec Luc Morin, c'est pour parler de vêtements Choco. Luc, aujourd'hui, tu nous parles d'un grand classique qui est un vêtement fait de cuir. Donc, il s'appelle le vêtement le... Le Sport 3. Le Sport 3. C'est mon vêtement le plus haut de gamme qu'on fabrique chez Choco. Donc, quelles sont les particularités de ce vêtement? Les particularités de ce vêtement, c'est des genoux rembourrés, des coudes rembourrés. C'est un vêtement fait avec le cuir le meilleur sur le marché. C'est un vêtement qui respire, qui est imperméable quand on le traite. Luc, on remarque beaucoup que le cuir noir revient de plus en plus. Il y avait la couleur qui était une grande mode, mais là, le cuir noir aussi prend sa place. Bien, cette année, ça nous a surpris, nous autres, dans les chiffres de vente. On s'est aperçu que le noir, avec le damier, là, dans le Sport 3, ça s'est vendu énormément. C'est peut-être parce que le monde, s'il change de couleur l'année prochaine, il veut garder quand même un vêtement qui va, mais qui est quand même racing. Mm-hmm. Et puis, ils l'ont automatiquement avec le Sport 3, tout noir et blanc. Mm-hmm. Mais Luc, le cuir, est-ce que c'est pas dur un peu d'entretien ou d'imperméable? Est-ce que c'est imperméable, premièrement? C'est nous autres qui le rend imperméable. C'est la personne qui la jette. Il est traité en manufacture, mais c'est mieux de le traiter encore un autre traitement. Ce que je recommande, moi, c'est de la graisse de vison. Tu la frottes avec le bout de tes doigts pour la faire pénétrer dans le cuir. Et au bout de 5 minutes, qui est sèche, tu la repasses dans les coutures. Puis là, tu prends un séchoir à cheveux. Donc, en donnant une bonne entretien aux vêtements, ça devrait être aussi imperméable que n'importe quel tissu. Meilleur. Luc, écoute, naturellement, tous ces vêtements-là, on peut retrouver ça chez les dépositaires Choco. C'est ça. Je te remercie beaucoup. C'est un plaisir. Écoutons maintenant Georges-Paul Aubin qui nous parle un peu du club Pitman de Sainte-Anne-du-Lac. Le club Pitman, c'est un organisme fondé en 1972, qu'on compte environ présentement 125 à 140 membres. Ça varie d'année en année. Et je crois qu'on est assez bien équipé quand même pour ouvrir nos sentiers. On a un tracteur Massey Ferguson avec une bonne gratte à présent. J'ai 12 unités de motel pouvant recevoir facilement une quarantaine de personnes, un restaurant, un bon salon. Et je crois qu'on est assez bien équipé quand même. La chronique accessoires et nouveautés avec Robert Thibault et son invité. Nous sommes toujours au super salon du motoneigiste. Un homme qui veut garder les motoneigistes au chaud, c'est M. Gilles Gagné, des Créations du Berger. C'est quoi votre truc de garder les motoneigistes? C'est tout simplement une peau de mouton, un couvre-siège en peau de mouton pour les motoneigistes qui rend le confort absolu. Ça garde les motoneigistes au chaud et sa conjointe en arrière, en plus de garder très au sec parce que la neige et le cuir ne condensent pas entre les deux sur la peau de mouton, donc... Toujours au sec. Vous avez d'autres créations aussi, spécialement pour les motoneigistes? Il y a la mitaine en peau de mouton qu'on fabrique. Il y a des semelles en peau de mouton qui est très appréciée pour mettre dans le fond des bottes parce que la semelle en mouton absorbe la transpiration du pied, donc
toujours un bon confort et puis... On vous remercie beaucoup. Les gens peuvent vous rejoindre à quel endroit si on veut en avoir? On est de Montmagny. Le numéro de téléphone est le 418-248-6191. Ça nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Mesdames et messieurs, participez au concours ProLab et courez la chance de gagner la motoneige de votre choix, incluant une remorque Rémec, deux habits de motoneige Choco complets, un forfait d'une fin de semaine à Mont-Laurier au motel Dynastie avec un guide de F. Constantino et fils. Le gagnant sera présenté à l'émission Québec en motoneige du 7 mars. Pour plus d'informations, contactez votre détaillant ProLab ou composez le 1-800-795-2777. Cette émission vous a été présentée par Choco C'est chaud et par les lubrifiants antifriction ProLab. Le sentier du grand portage a su conquérir le cœur de notre équipe. Peut-être en fera-t-il de même pour vous. C'est déjà terminé pour cette semaine. Ici Éric Arson de C'est quoi FM. J'espère que... Quelques instants, l'émission Québec en motoneige dans 5, 4, 3, 2, 1, you! Mesdames et messieurs, bonne semaine et bienvenue à cette nouvelle émission de Québec en motoneige. Cette semaine, nous irons faire un tour en Gaspésie. Débutons d'abord cette émission en écoutant un propos de la FCMQ. Bonsoir, amateurs de motoneige. Ce soir, nous désirons vous entretenir de la motoneige comme attrait touristique majeur au Québec. Depuis quelques années, il y a un développement qui s'est produit au niveau touristique hivernal. La motoneige attire chez nous des amateurs provenant des États-Unis, de l'Europe et des autres provinces canadiennes. Nous évaluons à 14 000 le nombre de visiteurs étrangers venus chez nous pour pratiquer la motoneige. Les 566 millions de retombées économiques que génère la motoneige en fait un des 8 produits touristiques priorisés par Tourisme Québec. De plus en plus, la motoneige est associée aux vacances et les intervenants tels que les associations touristiques, les hôteliers, les restaurateurs, les pourvoyeurs et les locataires offrent des forfaits et des services des plus recherchés. La motoneige a fait que plusieurs régions au Québec, qui étaient considérées comme destinations estivales, sont maintenant recherchées durant l'hiver. Toutes les régions du Québec sont accessibles grâce au réseau de sentiers qui est pourvu de tous les services nécessaires aux motoneigistes voyageurs. En conclusion, le sport de la motoneige est générateur de retombées économiques et de création d'emplois durant une saison qui n'est pas propice à ce développement. Et tout ça grâce au club de motoneige et à leurs bénévoles. Robert Thibault s'entretient maintenant avec André Dubois de Skirou. C'est quoi la question la plus posée au salon cette année? Cette année, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau, OK? Et est-ce qu'il y a du buée ou du jet vu que c'est tellement bien isolé? Puis cette année, on a sorti le même principe que les trains passagers ou des avions. C'est toujours du laxant incassable, OK? Pour les vitres, par contre, sont doubles. Alors, pour combattre le givre et le buée, on a toujours autant de confort pour la chaleur et la sécurité en dedans pour les enfants. C'est très futuriste, votre voiturette. Et vous avez aussi, on peut avoir le système de son là-dedans, vous avez dit. Hein? Stéréo MFM cassette. C'est moins chaleur que le Walkman. Hein? Est-ce que les gens sont obligés d'être attachés là-dedans? Il y a des ceintures de sécurité. Ça a été conçu pour les enfants et la sécurité. On n'est pas obligé de s'inquiéter là, qu'ils tombent à l'extérieur, rien de ça. Fait qu'ils sont bien. Une ceinture de sécurité comme les automobiles, qui est commode aussi pour les chaises de bébés d'enfants. Il y en a différentes grandeurs. Il y a le modèle deux places et pour le 4 passagers aussi. Merci beaucoup. On va vous laisser aller aux gens qui veulent avoir des informations. Merci. Merci, M. André Dubois de Skirou. Restez les nôtres. L'hospitalité gaspésienne vous attend au retour de la pause.
Joe Loutou, le plus grand réseau de location d'outils et équipements au Canada. Pour les travaux domestiques comme pour les projets gigantesques, Joe Loutou peut louer de tout ou presque. Forfait de vacances, location de motoneige, VTT, motomarine, randonnée, chasse et pêche, camping, Joe Loutou a des produits de marque populaire. Police d'assurance maîtresse pour louer en toute sécurité. Pour économiser sur tous vos travaux domestiques ou industriels, pensez Joe Loutou. Franchise disponible. Pour information, composez le 1-514-692-6268. RDS vous invite à suivre les meilleurs joueurs de la Ligue américaine pour le prestigieux Match des étoiles. Les équipes canadiennes affrontent les équipes américaines, mardi 20h. Une belle apparence, une belle tête. Il y a quelques semaines, elle avait un petit problème. Des pellicules. Alors je lui ai montré ce que Head & Shoulders pouvait faire. Nous avons lavé la moitié de sa tête avec un shampoing ordinaire et l'autre avec Head & Shoulders. Avec un shampoing ordinaire utilisé régulièrement, les pellicules reviennent. Avec Head & Shoulders utilisé régulièrement, vous voyez plus de pellicules. Votre chevelure est magnifique. Je vous remercie. Head & Shoulders. Pellicules enrayées, chevelure en beauté. Il y a plus de 2 millions de raisons pour nous regarder. Mais c'est vous qui êtes la plus importante. Chaque semaine, plus de 2 millions de téléspectateurs regardent RDS. Lors d'un voyage dans la région de la Gaspésie, une bonne planification est nécessaire quant aux endroits d'hébergement. D'année en année, les services offerts sont de plus en plus nombreux et de très haute qualité. Écoutons François Rioux de la chaîne hôtelière Riotel. C'est bien vrai. Je pense que la Gaspésie est renommée depuis maintes années au point de vue touristique, l'été principalement, une saison qui dure 3 mois, maintenant presque 4 mois. Mais maintenant, depuis quelques années, la Gaspésie veut se positionner sur le poids du hiver parce qu'on a une région fantastique. On a de la montagne, on a la mer, on a les grands espaces, on a la nature. Et puis, chez nous, chez Riotel, on s'est donné la mission de faire de l'hiver une destination pour la Gaspésie autant que pour l'été dans l'avenir. Et puis ça, c'est commencé avec des infrastructures qui se sont rajoutées. On parle avec Matane, l'hôtel gouverneur, Saint-Anne-des-Monts, le Monaco-des-Monts. On a le Château-Blanc, Bonaventure. Et puis, pour la prochaine saison, en 96, il y aura un établissement à Percé, effectivement, qui a été acquis et qui va être transformé pour l'hiver. Je pense que l'accueil dans la chaîne Riotel est très important. On s'est donné des infrastructures nouvelles. On offre dans tous les services les forfaits motoneige, que ce soit adapté à tous les gens, une personne à 4 personnes. On a des grands stationnements pour les trailers, ceux qui arrivent comme ça. On a des pistes qui sont très bien balisées. On a l'infrastructure, on a tous les services à chaque hôtel, que ce soit la restauration, bar, hébergement. On a d'autres services connexes qui s'en viennent avec ça, parce que de plus en plus, on va être... on est très à l'écoute de nos motoneigistes. Je pense que ces gens-là arrivent, ont des besoins spécifiques. Et on veut répondre, Riotel veut répondre de plus en plus à ces besoins-là, de toute manière possible. Et pour que les gens, quand ils viennent chez nous, qu'il n'y ait pas de crainte, on peut les faire les liens avec les concessionnaires. Je pense qu'il n'y a pas de limite à ce que Riotel va offrir aux motoneigistes. Je pense qu'on a un numéro très facile qui est valide pour tout le Canada. C'est le 1-800-463-RIOTEL. C'est un numéro très facile à retenir. On dit le 1-800-463-RIOTEL. Et puis, les gens auront toute l'information et les services disponibles dans nos établissements. La chronique Arctic Cat avec Luc Vincent et son invité. Je suis en compagnie de Danny Gagnon et on parlait justement de la location de motoneige. Mais Danny, la location, ça ne s'arrête pas là. Il y a des forfaits. Non, ça ne s'arrête pas là, la location, en effet. On a des forfaits de motoneige de 2 jours, 3 jours et d'une semaine. Mm-hmm. Où c'est que c'est intéressant pour les gens qui n'ont pas de destination déterminée ou qui ne font pas de motoneige souvent dans les régions. C'est pas nécessairement des forfaits où c'est que tu as besoin d'expérience. C'est accessible à tous les gens. Mais ça se passe comment exactement? Il y a un guide? OK, c'est des forfaits avec un guide. Le forfait comprend la location de la motoneige, l'habillement complet de la personne, ainsi que les repas, l'essence, ça comprend tout. On peut aller visiter des belles régions comme Duhamel, voir les chevreuils, coucher, dormir en pourvoirie.
Tout ça est des éléments qui sont compris dans nos forfaits. Est-ce qu'il faut être un gros groupe pour assister à ça? Là, OK. Actuellement, nous faisons des forfaits d'environ 4 motoneiges à aller à 10-12 motoneiges. Il n'y a aucun problème sur la quantité de motoneiges ou la quantité de participants comme tel. Donc là, tu me dis, je pars, je n'ai pas besoin d'avoir d'argent dans mes poches. Presque pas, en tout cas, je pars avec ma motoneige, le louer et toute une équipe, on s'en va se promener, on fait une belle randonnée. Effectivement, c'est ça qui arrive. Et naturellement, Danny, pour avoir plus d'informations, on peut s'informer chez Goulet Motorsport, oui. À Sainte-Thérèse ou à Terrebonne? Ou à Terrebonne. Je te remercie, Danny. Merci. Cette randonnée, l'équipe de Québec en motoneige a eu la chance de visiter plusieurs clubs de motoneigistes. Voici maintenant le président de l'un d'entre eux, Régent Bélanger du club de motoneigistes Les Amoureux de la motoneige de Matane. Oui, on est le club Les Amoureux de la motoneige à Matane. On est l'ouverture de la Gaspésie. Matane s'est renommée pour être les portes blanches de la Gaspésie. Nous autres, dans notre région, on gratte de 14 à 16 semaines. On a des conditions de neige idéales, c'est le paradis de la neige. Notre club comporte, on a 850 membres, on a 310 km de sentier, puis on a 3 surfaceurs. Je peux vous dire en affaire, on est le plus gros club de la Gaspésie, puis on vend beaucoup la Gaspésie. Les touristes arrivent pas mal ici. On leur donne le service qu'ils ont besoin, les renseignements qu'ils ont besoin. On a tout ce qu'il faut, les gens qui veulent venir ici 2, 3, 5 jours, il n'y a aucun problème. On est là pour les accueillir et on les invite. Notre relais est situé à Matane, en plein cœur de la ville, sur le bord de la rivière. C'est un très beau relais. C'est un site qui appartient à la ville de Matane. Il y a le club de golf l'été. Puis nous autres, l'hiver, c'est notre relais. C'est notre place principale. C'est là qu'on donne les renseignements. C'est un bar, il y a un service de restaurant. On est là, on accueille les gens ici. Puis les fins de semaine, on a des drinks. Ça vire beaucoup, ça fonctionne. Matane, cette année, on a commencé à gratter. Nos sentiers ont commencé à ouvrir le 15 de décembre. Puis si la température le permet, on devrait se rendre aux alentours du 10 avril. Ça veut dire que c'est des conditions idéales. On a du temps, on a de la neige. Puis ce qu'on veut, c'est que les gens viennent faire de la motoneige dans le temps des fêtes, puis dans le mois de janvier, février. La chronique Bombardier, en compagnie de Luc et son invité. Je me trouve cette semaine chez Constantino et fils à Mont-Laurier et j'ai avec moi nul autre que Yves Constantino. Yves, tu me parles de quoi cette semaine? Cette semaine, on va dans le véhicule catégorie Sport Performance. C'est la Formula SS, la nouvelle Formula SS. Qui est un tout nouveau véhicule. Un tout nouveau véhicule. Ça s'adresse à qui exactement? Ça s'adresse vraiment au motoneigiste qui va avoir un vrai moteur. On parle d'un Rotax 670. Il y a quelque chose de spécial pour le capot, je crois. Alors, pour le capot, dans ce nouveau véhicule-là, c'est le nouveau capot. En RRIM uréthane. Qui exactement? Qui résiste beaucoup plus aux éraflures là, que l'ancien capot ou que les capots des concurrents qui sont en méton, puis qui restent flexibles vraiment là, jusqu'à moins 40 Celsius. Donc, Yves, ce véhicule-là, le Formula SS, ça serait le véhicule idéal pour aller à la journée des pros? Ça serait un véhicule que tu pourrais prendre là, facilement pour la journée des pros. Fait que tu pourrais alors là, passer une journée là, vraiment bien spéciale. Parle-moi donc un petit peu de la journée des pros. La journée des pros, bien, c'est notre activité annuelle en collaboration avec le Club Sultan de Mont-Laurier. C'est une grosse randonnée. Ça se passe comment? C'est notre 4e édition. C'est une randonnée, le client achète un billet ici, mettons, chez Constantin et fils à Mont-Laurier. Dans son billet, il est inclus son déjeuner, dîner, souper, la soirée des pros qui est nouveau cette année. Puis si le client a réussi sa journée complète, qui est une grosse randonnée, plus de 500 km, bien à ce moment-là, il y a un souvenir de sa journée des pros. Et un numéro de téléphone pour avoir plus d'informations là-dessus? Pour plus d'informations là-dessus, vous pouvez nous rejoindre à Mont-Laurier au 819-623-1724. Merci beaucoup, Yves. Merci, Luc. Restez avec nous. Québec en motoneige vous revient après la pause. Choco, une entreprise bien de chez nous qui fabrique des vêtements qui vous garderont au chaud. Que vous optiez pour le Choco Light, le Choco Bear, le Pro Racing, le Sport 3, le Combo, le CDI, l'Ultra Select, le Cordura, le Fashion ou le STS 4 dans 1, Choco garde tous les pros bien au chaud.
choco, là. Ça, c'est chaud. C'est le pire. Pauvre bébé. Je tousse, j'en niffe, j'ai ma gorge irritée et j'ai mal partout. Ça, c'est un rhume pour NyQuil. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux-là? NyQuil est un sirop contre la toux, un décongestionnant et un antidouleur. Ça fait tout ça. Et NyQuil te permet de dormir pour mieux récupérer. NyQuil est aussi disponible en capsule LiquiCap. Quand votre rhume est au pire, NyQuil est à son meilleur. L'année dernière, les rêves et les espoirs de près de 7000 familles québécoises sont partis en fumée. Bon nombre d'entre elles croyaient leur bien perdu à jamais. Heureusement, il y avait Steamatic. Grâce à l'intervention rapide de ces techniciens spécialisés en restauration après sinistre, le confort de leur foyer a pu renaître de ses cendres. Steamatic, les premiers à appeler après les pompiers. F. Constantino et fils à Mont-Laurier et Équipement Lemire présentent les nouveaux surfaceurs Massey Ferguson. Traction optimale grâce à un système efficace, économie et confort. Voilà le gage d'une rentabilité hors pair. Une transmission multi-power pour maximiser la performance ainsi qu'une cabine ultra-moderne. Efficacité, rapidité et prix exceptionnel. Voilà les qualités du surfaceur Lemire. Voyez sans tarder la gamme complète de surfaceurs Massey Ferguson. Informez-vous au 819-623-1724. On pense à la Gaspésie, on pense à la région du Rocher Percé qui offre des paysages incroyables, mais partout en Gaspésie, vous pourrez découvrir des paysages à vous couper le souffle. La chronique Polaris en compagnie de Luc Vincent et son invité. Junior, explique-moi pourquoi utiliser des produits Polaris dans les motoneiges Polaris. Parce que nous, nos moteurs sont fabriqués et testés pour rouler avec des produits Polaris. Quels sont les produits offerts par Polaris? Il y a de l'huile à chaîne pour carter à chaîne. Ensuite, tu as l'antigel pour le gaz. Tu as le liquide à frein. Ensuite de ça, tu as l'huile à injection Polaris. Et il y a plusieurs grades d'huile dans les huiles Polaris? Oui, il y a de la température extrême pour la moto. Et puis, tu as la TCW3 qui est conçue pour les moteurs liquides de motoneige ainsi que moto encore, là, de 4 roues, lubrifiée par... On me dit que c'est nécessaire de mettre de l'antigel dans le gaz. Oui, c'est très important parce que ici, quand on gaze, puis il y a certaines places, il y a de l'eau dans le gaz. Et puis, l'antigel pour le gaz, ça prévient, ça élimine l'eau dans le carburant. Donc, ça serait une bonne habitude à prendre de mettre de l'antichel dans le très, gaz. Très, très, très bonne habitude à prendre. Et naturellement, si on a un véhicule Polaris, on essaie d'utiliser un produit Polaris pour mettre dans notre véhicule. Oui, autant que possible. Je te remercie, Junior. Merci. Nous avons décidé de tricher un peu et de modifier notre itinéraire.
nous ne pouvions pas manquer la région du relais Faribo qui offre des panoramas incroyables. La chronique Yamaha avec Luc et son invité. Je me trouve à nouveau cette semaine chez Nadon Sport à la Chute et j'ai avec moi Benoît Nadon pour nous parler de la motoneige. Benoît, de quelle motoneige tu nous parles cette semaine? De la Bravo. Quel genre de motoneigiste qui achète la Bravo? Bien, c'est plutôt un motoneigiste là, qui consent à consacrer un petit budget à la motoneige, étant donné là, son prix peu élevé. Le motoneigiste débutant? C'est cela. Ou celui qui sert de ça là, en esprit de famille, là, à l'entour du chalet ou avec les enfants. Quelles sont les qualités de la Bravo? Son poids ultra léger, son prix aussi ultra léger, ainsi que sa mécanique super fiable et durable. C'est facile d'entretien. Très facile d'entretien. Il suffit là, de mettre de l'essence et de vérifier l'huile. C'est pratiquement tout ce qu'il y a à faire dessus. De quel ordre de prix on parle pour la Bravo? On parle normalement d'un prix inférieur à 3 000 Donc, c'est une motoneige pas dispendieuse et pour toute la famille. C'est ça, et exclusivement aussi disponible en version chenille allongée. Qui est bon pour les trappeurs. Les trappeurs, étant donné sa haute flottabilité dans la neige folle. Donc, Benoît, c'est une motoneige à double usage. Oui, c'est une motoneige bonne pour les sentiers, puis elle est bonne aussi là, pour du hors-piste, étant donné sa chenille allongée, sa haute flottabilité. On peut s'en servir aussi pour travailler, étant donné là, sa force. Une bonne force de moteur. Oui, une bonne tire de charge aussi. On peut tirer assez pesant avec ça. En fait, c'est un motoneige idéal là, pour un débutant ou pour celui là, qui sert de ça là, comme motoneige pratique. C'est pratique. Merci beaucoup, Benoît. Déposez votre télécommande. Québec en motoneige sera de retour après cette courte pause. ProLab conçoit et fabrique des produits haute technologie spécifiques à la motoneige. Huile synthétique SM60. Huile à carter de chaîne synthétique CC1. Lubrifiant pénétrant PL100, protège-tissu F10 et plus encore. Nous avons démonté une des motoneiges du raid Arikana. Après 5000 km d'usage extrême, elle était comme neuve grâce à ProLab. ProLab, le leader de l'antifriction. RTS vous invite à suivre les meilleurs joueurs de la Ligue américaine pour le prestigieux Match des étoiles. Les équipes canadiennes affrontent les équipes américaines, mardi 20h. J'irai pas travailler, je me sens trop malade. Prends les nouvelles des Queens. La tête m'élance, puis j'arrête pas de tousser. Prends les nouvelles des Queens. Ça, c'est pas efficace. Maintenant, il existe un remède sans somnolence contre le rhume, à la fois décongestionnant, sirop contre la toux et analgésique, tout en un. Voici les nouvelles des Queens Liquid Caps de Vicks. Le remède contre les maux de tête, la congestion bronchique, le mal de gorge, la toux et la fièvre, sans somnolence. Hey, c'est vrai, ça marche. Pourquoi vous contenter d'un bulletin de sport ordinaire quand vous avez accès à ceci? Sport 30, beaucoup plus qu'un simple bulletin de nouvelles. La région du Mont-Saint-Pierre attire évidemment les motoneigistes, mais aussi des adeptes de sport assez impressionnants. On voudrait vous parler d'ici à Mont-Saint-Pierre, l'activité principale qui est le deltaplane et le parapente qui est pratiqué juste ici en arrière de moi, en bordure Saint-Laurent. Il y a d'autres activités d'hiver aussi qui sont organisées par Ski Choc, qui sont le ski alpin au Mont-Jacques-Cartier. Les forfaits sont offerts. Il y a le ski de fond aussi qui est offert avec guide, repas inclus, vin à la table. C'est vraiment une bonne ambiance, c'est un décor féerique, il faut venir voir ça. OK, ici, la région de Mont-Saint-Pierre, on a les sentiers qu'il faut pour faire des belles randonnées. On invite le touriste du Québec et des environs à venir nous voir. On est prêt pour les accueillir tout en force, on est équipé pour, puis on a des beaux sentiers. Si vous voulez passer des belles vacances, je pense que c'est l'endroit idéal qu'il faut venir.
chronique Choco, en compagnie de Luc et son invité. Vous reconnaissez sûrement cet homme qui est Luc Morin de Choco. Luc, cette semaine, tu nous parles vêtements. Naturellement, mm-hmm. on parle vêtements, on parle Choco. Quel vêtement que tu me parles? On parle du pro racing cette semaine. Qu'est-ce que c'est exactement le pro racing? Pro racing, c'est un vêtement compétitif qui a l'allure de course et puis très coloré. Mais qu'est-ce qui est marqué sur la manche, là? C'est Fast One. Pourquoi Fast One? C'est parce qu'on est une longueur d'avance de tout le monde. Sur la compétition. Ah oui, ah oui, ah oui. Et puis, c'est le plus vite. Tu le marqueras ceux qui ont des bolides dans les entiers qui portent des Fast One, des Pro Racing. C'est un vêtement qui vient en un nombre de couleurs. Il y a exactement 10 couleurs. 10 couleurs? Oui. Pour l'agencer avec toutes les marques sur le marché. Plus on a une couleur orange, mm-hmm. pour ceux qui veulent être vraiment vus dans... Des sentiers. De loin. Oui. Et puis, on fait aussi un modèle pour enfants. Quels sont les avantages du... Ah oui, pour les vêtements pour enfants, c'est nouveau, ça, cette année. C'est nouveau. Cette année, on a fait une grosse production, mais... Il est arrivé quelque chose. Vous n'attendiez pas un succès aussi non, fort. Non, on s'attendait pas à la production. Là, j'ai été obligé d'en recouper encore. Je viens juste d'en recouper d'autres. On en manque. Je demande au monde d'être patient. D'être là. Patient. On est après les expédier, là. Luc, tous ces vêtements-là, naturellement, on peut les retrouver chez les dépositaires Choco. C'est ça. Bien. Seulement chez les dépositaires Choco. Je te remercie beaucoup, Luc. Ça fait plaisir. Écoutons Renaud Chouinard, directeur général de la FCMQ, région de la Gaspésie. On constitue 15 clubs de la Gaspésie en région Motoneige. Chacun des clubs, je pense, on est en train de mettre un effort là, très marqué au niveau de la signalisation. Au niveau des services qu'un motoneigiste doit avoir dans une région comme la nôtre, je pense que tout est là. Au niveau des hôteliers, de l'hébergement, de la restauration, tous les services, on les retrouve en grand nombre. Et je pense qu'au niveau qualité-prix, on l'a aussi. Oui, en conclusion, somme toute, on invite tous les motoneigistes québécois et même en dehors du Québec à se rendre à Gaspésie. Je pense que c'est une destination là, magique à vous présenter. La chronique accessoires et nouveautés avec Robert Thibault et son invité. Parlez-moi d'ADM, c'est pas jeune, ça. ADM a 14 ans d'existence. Ça fait depuis les années, au début des années 80 qu'on a commencé. Mais dans la motoneige, ça fait environ 4 à 5 ans qu'on est réellement impliqué dans la motoneige, là, comme grossiste et détaillant. Vous êtes des spécialistes en quoi, M. Tremblay? On est des spécialistes en accessoires, équipements, tout ce qui concerne les pièces de remplacement, distributeurs Kimpex en particulier. Après ça, avec d'autres fournisseurs motovanins, tout ce qui concerne la motoneige. Et on est aussi dans la réparation de toutes les marques de motoneige. Si les gens veulent avoir des informations, à quel endroit on peut vous rejoindre? À Québec, c'est à 304 Pierre-Bertrand, à Ville-Danier. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est 1354 Boulevard Saint-Paul, à Chicoutimi. Merci beaucoup déjà à connaître les gens d'ADM. À ne pas manquer les 21 et 22 janvier prochains, dans le cadre du Festival de la motoneige de Pointe-Calumet, les courses d'accélération. Les 28 et 29 janvier, c'est le circuit ovale sanctionné par la CCMQ qui prend la relève. Mesdames et messieurs, participez au concours ProLab et courez la chance de gagner la motoneige de votre choix, incluant une remorque Remec, deux habits de motoneige Choco complets, un forfait d'une fin de semaine à Mont-Laurier au motel Dynasty avec un guide de F. Constantino et fils. Le gagnant sera présenté à l'émission Québec en motoneige du 7 mars. Pour plus d'informations, contactez votre détaillant ProLab ou composez le 1-800-795-2777. Cette émission vous a été présentée par Choco Séchaud et par les lubrifiants anti-friction ProLab. C'est déjà terminé pour cette émission. Ici Éric Arson de C'est quoi FM. J'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure dans le Québec en motoneige. Soyez prudents.